C'est l'un des plus gros succès de l'édition et du cinéma. Le 8e et ultime film de la saga Harry Potter sort la semaine prochaine. Il est présenté ce soir en avant-première à Londres. Sur place, Jacques Cardo, Stéphane Guillemot. Une image de Potter et c'est déjà beaucoup d'émotion. Mais si vous y ajoutez Valdemar... J'ai un peu grandi avec Harry Potter parce que depuis que j'ai 10 ans, ben, je suis ça, c'est mon âge quoi. Donc pour moi, ça représente un peu toute mon adolescence. Donc. Ça apprend aux jeunes à lire. J'ai pas appris à lire, mais je veux dire. J'ai aimé lire grâce à Harry Potter. Les acteurs eux-mêmes ont bien sûr grandi au gré des tournages. Débutants, ils avaient entre 10 et 12 ans. Aujourd'hui, ils ont entre 21 et 23 ans. Et fais attention à le tenter ! Fristas to Woodzone ! 11 ans et 8 films plus tard, voici le dernier opus, Les Reliques de la Mort, deuxième partie. Un film qui fait peur avec des bestioles étranges et un Valdemar. Un Valdemar plus laid que jamais. Voilà.